Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Rito, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien. Vous avez bien remarqué que je vous ai dribblé. Voilà, c'est parce que le cas est urgent. Voilà. Les fans des Bordeaux, j'espère que vous êtes là. J'espère que les fans d'Arafat sont là. J'espère que les fans d'Arafat et des Bordeaux vont partager cette vidéo-là. Vous savez, apparemment j'ai constaté qu'il y a des pages qui veulent boycotter notre concert. Donc je suis venu juste faire cette vidéo pour rectifier le tir. Fans des Bordeaux, fans des DJ Arafat, fans du coupé décalé, fans de la musique ivoirienne, restez tranquilles. Le concert des Bordeaux et des DJ Arafat sera un concert jamais organisé en Côte d'Ivoire ici. Voilà, juste vous dire qu'il n'y a aucun danger, voilà, qui plane sur le concert des DJ Arafat et des Bordeaux. Si c'est l'aide directe en un point fini que vous prenez comme alibi, mais comme argument, comme quoi cela va boycotter les concerts, vous mentez. C'est les fans qui font un concert. Voilà. Les artistes viennent simplement nous égayer avec les belles mélodies et avec les belles chansons. Donc moi je suis frustré ou très choqué de voir certaines pages comme quoi titrer le concert des Bordeaux et des DJ Arafat en danger. Quel danger? Quel danger? Ce sont des humains, hein? Ils ont le droit à faire l'erreur. Voilà. Parce que même quand ils font ces erreurs-là, il y a des personnes comme nous qui ont le courage de leur dire qu'ils ne font pas bien. Ce n'est pas pour autant qu'on va prédire ou souhaiter un quel que soit danger sur leur concert. Donc restez tranquille, fans des Bordeaux. Partagez-les à vos amis et à ces pages-là pour qu'ils sachent que le concert se prépare très bien. Voilà, il se prépare super, 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 super très bien. Voilà, donc n'ayez crainte. On va casser l'Ivoire Gold Club, comme j'ai dit. Voilà, les gens n'ont qu'à parler. Mais la musique, là, c'est tout un championnat. Voilà, c'est tout un championnat, c'est pas encore fini. C'est l'arrivée qui compte. Comme je l'ai signifié une fois dans une de mes vidéos, tout ce que vous voyez là, il n'y a pas un 45 ans dedans. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont vieux, qui ont coupé les âges, mais Didier Arafat n'a que 31 ans. Debordeaux, je crois, 33 ans. Beno, 31 ans. C'est un combat, c'est un championnat. Ils sont dedans. Donc soyez tranquille. Je venais juste faire vous cette vidéo-là pour vous mettre en confiance. Les tickets là, c'est nous, on va payer. Voilà, ce ne sont pas ces pages-là qui titrent comme quoi. Les conseils en danger là, qui vont payer les tickets pour nous, c'est nous qui allons payer. Donc démontrons ce 29 décembre là, notre force de frappe. Démontrons, chinois et légionnaires, qu'il n'y a pas fans comme nous encore. Voilà, on dit que nous sommes des faux fans, ça c'est pas bien grave. Parce que ce 29 décembre là, ils vont comprendre. C'est mon message que je voulais vous apporter. Concernant la vidéo de Bordeaux et de Tiesco, demain à midi, je vais vous la donner. Voilà, mais je tenais vraiment, vraiment à faire cette vidéo là. Pour vous rassurer que tout se passe bien et tout se prépare bien. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain.